Aujourd'hui, nous allons étudier le son I. La plupart des mots commençant par IR prennent très souvent, la plupart du temps, deux R. IR, on va prendre un exemple, I, RES, PO, SABLE. Alors, afin que vous reteniez la règle, c'est un truc, une astuce. Retenez et de nouveau, à nouveau, dans toutes vos dictées, ça sera très simple. Alors, en fait, le mot réel, vous le voyez, il est responsable. Responsable, c'est le radical. On appelle ça le radical. C'est simple à retenir. C'est radical, c'est le mot. Et le IR, lui, s'appelle un préfixe. Préfixe. Donc, c'est quelque chose qui prévient le mot qui est fixe. Et automatiquement, on va prendre une autre couleur, automatiquement, vous aurez deux R. Pourquoi? Parce qu'il y a le préfixe IR et le radical responsable. Donc maintenant, pour vous simplifier la vie, je vais prendre un autre exemple. D'accord? On va travailler ensemble là. Donc, on va prendre réalisable. Alors, le mot est réalisable. C'est comme un jeu. Si on me dit réalisable, irréalisable, automatiquement, je vais mettre mon préfixe et ça prendra deux R. Irréalisable. On va prendre un troisième exemple. Alors, responsable, on l'a mis. On va prendre remplaçable. Remplaçable. Alors, on le dit tous ensemble. Remplaçable, c'est quoi? C'est le radical. C'est le mot le plus important. Voilà. On rajoute un préfixe qui est IR, le préfixe, et automatiquement, ça devient irremplaçable. Alors, voilà, c'est un truc. Effectivement, vous avez parfois des petites exceptions. Alors, je vais simplement vous noter les exceptions. IR, comme la colère, ironie, et vous avez la fleur iris. Voilà, quelques exceptions, mais la plupart du temps, tout mot commençant par « ir » souvent prend deux « r ». Voilà, j'espère que la compréhension a été pratiquement parfaite. Revoyez de nouveau cette vidéo une ou deux ou trois fois et « ir » n'aura plus de soucis pour vous. Voilà, belle journée !